Elle est petite, mais elle est un peu grande. C'est pas grave. C'est quand même bien. Alors là, on va la remettre à l'eau. On a attrapé une grande perche chaude. On n'a jamais attrapé une perche chaude comme ça. Waouh, elle est géante. Je sais qu'il y en a qui sont plus grandes que ça, mais regardez le ventre. Je pense qu'il y a des œufs là-dedans. Si c'est pas des œufs, c'est qu'ils mangent beaucoup. Regardez. Ah, mais il y a un petit problème, c'est que l'hameçon c'est pas vraiment accroché sur ses lèvres. Hein, l'hameçon il a avalé. Alors ça va être un peu difficile de l'enlever. Regardez, qu'est-ce que je vous disais. Regardez, les œufs ils sont là. C'est sorti un peu. Et donc là, on va les remettre à l'eau parce que. Voilà. Les amis, je pense que on a quelque chose. Je suis pas très sûre, hein, mais. Oui, il y en a quelque chose. On a rien. Oh, c'est pas grave. On a encore le temps. On espère qu'on va attraper les gros poissons. Les amis, ça, je veux dire, c'est important. En fait, il n'y en a pas. Mais c'est pas grave. J'espère qu'on va attraper des gros poissons. Peut-être qu'on aura un poisson. Si un poisson, on va attendre jusqu'à sa tire pour qu'on soit sûr. Je vois pas vraiment que ça bouge. Ok, finalement, il n'y en a pas de poisson. C'était un petit qui a mordu, mais on l'a pas attrapé. Ça. Parce que vous voyez là, c'est des aigles. Oh, vous. Oh, attendez. C'est en train de bouger là. C'est en train de bouger là. Attendez.
peut attendre. Le fil bouger, mais il y a quand même des doutes. Peut-être que c'est un petit poisson, on va voir. Je sens pas vraiment quelque chose, mais on verra. On va le remettre à sa place. On va remettre la banane pêche à sa place parce que peut-être c'est juste un petit. Et s'il y a des petits là-bas, ça veut dire que je vais prendre l'autre canne à pêche. Je vais essayer de lancer là-bas pour voir si on pourra attraper quelque chose. Je vais utiliser le flotteur et un petit hameçon. Les amis, là, c'est sûr qu'on a une chose. On voit juste là. Il est pas très gros, mais c'est pas grave. Il fait un genre de bruit, je sais pas si vous entendez là. Ah, il le fait pas maintenant. Et bah, c'est bien. Voilà la fiche. On va essayer d'enlever l'hameçon. Toujours faites attention avec les arêtes en haut et à côté. Voilà. On va le remettre à l'eau. Donc, je vais vous le montrer pour la dernière fois. Voilà, il est comme ça.